2005, j'ai 18 ans. Oui, j'étais au collège. En 2005, j'ai 16 ans. Bah, j'avais 12 ans, j'étais très jeune. En 2005, ouais, j'ai 21 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Je suis née en 85. J'étais petit quand même, je crois que j'étais en quatrième. J'ai des bribes de souvenirs. Pas vraiment, finalement. À force de partir, je fais ma valise en 3 minutes. Sauf que d'habitude, c'est pour Kaboul ou Bagdad. J'ai proposé Bondy à cause d'un point de chute, une amie de ma femme. C'est en Seine-Saint-Denis, le département 93, pas loin de l'origine des émeutes de la semaine dernière. On fera un blog et des articles dans chaque numéro. C'est moi qui commence. Je pars ouvrir un bureau de l'hebdo à Bondy. Ça, c'était l'école. C'est une crèche. Là, on est à Blanqui, c'est une cité dans Bondy. Et c'est un peu la matrice du Bondy Blog. Toutes les émeutes ont commencé en octobre-novembre 2005. Moi, j'étais responsable des pages internationales d'un hebdomadaire en Suisse qui s'appelle l'Hebdo. Et on m'a demandé comment est-ce qu'on va couvrir ces émeutes. Il y a deux possibilités. La première, c'est d'envoyer quelqu'un, un envoyé spécial avec un gilet à poche et des grosses chaussures pour faire du terrain, de lui faire passer 3-4 jours ici et rentrer, écrire un papier. Et puis l'autre possibilité, on s'est dit, on pourrait faire une immersion. On devrait ouvrir un bureau de correspondant dans une banlieue française et non pas à Paris même. Et on devrait raconter les choses avec le long terme, comme ça, de ce que font les correspondants par rapport aux envoyés spéciaux. À l'époque, c'est vraiment moi le premier que j'entends dire ça. J'entends dire, je vais m'installer 3 mois dans une cité pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je lui dis, mais c'est exactement ça qu'il faut faire. Si tu veux comprendre une cité, il ne faut pas venir au moment où c'est chaud. Il faut venir le matin à 7h du mat. Il faut être là à 23h30 quand il y a d'autres gens qui arrivent. Il faut être là le midi quand il y a les mamans qui vont chercher leurs enfants. Il faut être là à 14h pendant la sieste. Tu vois, il faut respirer, quoi. Il faut respirer avec la cité pour vraiment comprendre. Parce que si tu arrives... comme la plupart des journalistes parisiens à l'époque qui débarquaient faire des sujets, tant d'arriver à leur rédac, de prendre le matos, ils arrivaient à 11h et repartaient à 15h. Tu vois qui entre 11h et 15h dans une cité? Dans les JT, je trouvais ça ahurissant, le décalage entre ce qu'on vivait et ce qu'on voyait. On avait vraiment l'impression que c'était la guerre. À la télé, on voyait que c'était la guerre. Et quand j'étais né à la télé, je sortais dehors, j'allais manger un grec avec mes copains et on se tapait des barres de rire, quoi. Je me souviens, à l'époque, j'avais vu, je sais plus si c'était sur CNN ou Muslim Attack. Je me suis dit, putain, mais Muslim Attack. Au cœur du quartier Blanqui, le studio de 20 mètres carrés sert à la fois de bureau et d'appartement. Paul Ackermann est le 6e envoyé spécial du journal L'Hebdo de Lausanne, venu ici pendant une semaine raconter la banlieue. C'est un espace de parole pour les gens. On ne leur demande pas de poser devant la trace de la voiture cramée, comme ils ont fait des collègues hier. Ils ont demandé à ce qu'on se mette debout devant la trace de voiture cramée. Enfin, il n'y a pas ça. Ils viennent ici avec leur regard de journaliste suisse, pour poser leur valise 3 mois ici, de regarder un petit peu comment ça fonctionne. En vérité, après 3 mois, on n'avait pas fini, on aurait pu rester plus. Simplement, pour le journal, c'était quand même un gros effort. C'était une petite rédaction de 24 personnes. Il y en avait déjà 15 qui étaient passés à Bondy. Et il fallait à un moment donné arrêter. On avait dit 3 mois, donc à 2 mois et demi, la direction m'a dit, écoute, il faut qu'on envisage de plier bagages. Et j'ai trouvé vraiment trop dommage, parce qu'on avait lancé quelque chose qui avait un tel impact ici. Enfin, on avait le blog lui-même avait beaucoup de lecteurs en ligne. Ça m'a semblé vraiment trop dommage de tirer la prise et de dire à tout le monde, ben merci, au revoir. Cela fait plus de 3 mois que l'Hebdo envoie un ou une journaliste à Bondy. Difficile de s'arrêter quand il y a autant de lecteurs et autant de commentaires. Et pourtant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Afin de pérenniser ce blog, nous cherchons de jeunes talents à Bondy, filles et garçons. Nous recherchons toutes sortes de profils, jeunes en formation, en emploi ou en galère. Une seconde volée suivra dans quelques mois. Alors si vous avez entre 15 et 30 ans, si vous êtes lecteur régulier de ce blog, si vous êtes l'un des auteurs des excellents commentaires qu'on y trouve, annoncez-vous. Envoyez sans tarder un email à l'adresse bondyblog@yahoo.fr avec les éléments suivants. Nom, prénom, âge, adresse, email et numéro de téléphone. En 2 lignes, ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire dans la vie. 3 idées de sujets à traiter dans ce blog
dont un que vous développerez un peu, Max Dilligne. Serge Michel m'appelle et me dit voilà, il y a une vraie parole, qu'est-ce que t'en penses, etc. Est-ce que tu veux reprendre, est-ce que tu peux fédérer des gens? Et à l'époque, moi je réfléchis pas longtemps, mais je réfléchis un peu quand même, parce que je sais le boulot. Je sais le boulot que c'est. Un soir, Mohamed m'a ramené ici à Bondy et il m'a dit voilà, écoute, voilà, il y a les journées suisses qui ont créé le Bondy blog, vont repartir, ils me demandent de le reprendre, est-ce que ça t'intéresse de venir me donner un coup de main? Parce que Mohamed était enseignant et donc il avait besoin évidemment de gens autour de lui. Et je lui avais dit, écoute, moi je suis encore un peu pris pendant 6 mois, 1 an, mais avec plaisir, s'il faut te donner un coup de main, corriger les textes et tout ça, je le fais. S'il faut venir de temps en temps rencontrer des gamins, il n'y a aucun souci. Et puis ensuite, on se met au boulot. Hein. Moi, quand effectivement je décide de reprendre vraiment le truc, et ben on crée pour moi la énième association que j'ai créée dans ma vie. Et là, on commence à recruter, on va chercher des gamins dans le quartier, on va chercher des gamins au lycée. On se structure un peu. Au début, on est très peu. Moi, au début, j'étais un peu tous les rôles. Donc, ça a été un peu compliqué. Vraiment, les premiers mois ont été assez difficiles. Sorti des cours, Mohamed, le professeur d'économie, débute sa deuxième journée, commence son deuxième travail, celui de rédacteur en chef du Bondy Blog. Il se passe beaucoup de choses autour de Clichy, donc effectivement, on va parler un peu de Clichy. Mais on va essayer d'en parler différemment, justement. Parler des jeunes aussi qui sont restés, des potes de Ziad et de Bounas. Nadia, t'étais dessus? Quand je suis arrivé, j'ai rencontré l'équipe du Bondy Blog dans un café. Ils se réunissaient dans le café chez Janine, de l'autre côté de la gare. C'était ça, notre lieu de réunion. Non, on est vraiment commencé avec rien, quoi. Mohamed, il éditait l'article, il était tout seul. Et c'était ça, le Bondy Blog. C'était un mec qui dirigeait. Après, au niveau moyen, non, zéro. On avait un stylo, un calepin. En un an, l'association a grandi comme la cité, sans beaucoup d'aide, mais elle existe et elle est désormais reconnue. Pour la première fois, un moteur de recherche, Yahoo, a même décidé de s'associer avec eux et de les financer. Et très vite, Yahoo est arrivé. Et donc là, Mohamed a un peu accéléré les choses en me disant que bon, voilà, on a un gros projet avec Yahoo pour l'élection présidentielle de 2007. Et donc, on peut dire que c'est à partir de là, en fait, que j'ai vraiment mis les pieds et les mains et mon corps et mon esprit dans cette affaire-là. Moi, je pense qu'il faut mettre une virgule, non, après intérieur. Et ministre, c'est pas un M majuscule. Non, mais l'aspect logistique, on va le voir. Hein. Ouais. Allez, on y va. Ne perdez pas avec la vaisselle. Démerdez-vous. Sinon, on transforme cette pièce, ça devient un bureau. Le principal boulot du directeur du Bondy Blog, c'est de créer les conditions pour que toute cette machinerie fonctionne. On va commencer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On y va, s'il vous plaît. Non, mais poussez-vous un peu. Ouais, décalez-vous, du coup. C'est la gestion du bordel ambiant. Alors, on démarre. On commence donc la conférence de rédaction. Alors, le Bondy Blog, je le lisais déjà. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour venir là? Moi, j'ai vraiment envie de voir comment ça se passe, d'écrire pour eux. Je vois des articles un peu marrants des fois, d'autres articles plus sérieux où on parle de mes quartiers. Je me reconnais pour une fois dans un média, tu vois. Et je décide de cliquer sur « Contactez-nous ». J'envoie un mail, on me répond tout de suite, tu vois. Donc j'explique que j'aimerais bien intégrer le Bondy Blog. Tu vois, je sais pas comment ça se passait, je sais pas si c'était un local, si c'était il y avait des gens derrière, si c'était un truc où il fallait ramener un CV, une lettre de motivation. Je savais pas. Ça va ? Ça semble bien. Pour les sujets. La forme ? Ouais. Est-ce que vous avez des choses ? Oui, j'ai un sujet très intéressant. Bon, vas-y. Moi, je me jette des fleurs. En fait, j'envoie un mail, on me dit viens. Je dis, ah bon ? Première fois de ma vie que on me répond aussi vite et qu'on me dit viens demain. J'étais hyper contente. Donc, je viens. C'était un mardi. Et le mardi, c'était le jour de la réunion. J'ai quelques retours de jeunes de Blanc-Ménil qui se sont fait, entre guillemets, on va dire un peu maltraité par la brigade anticriminalité, la BAC. Et ouais. C'est plusieurs, beaucoup de témoignages qui se regroupent. Et ils sont 70 habitants et ils sont des indignés. Ouais. Dans le village de 100 habitants, tu vois, c'est incroyable. Donc ils veulent faire retourner. Non, mais ça, c'est bon pour nous. Ça s'est passé comment avec Dominique Bonnet? Elle est bien, elle est dure quand même. Elle était plus dure que la dernière fois? Elle a lâché les ballons. Elle a lâché les ballons? Et c'était vraiment une de mes premières rencontres avec. Une institution, tu vois, professionnelle. L'idée que je m'étais faite du Bondy Blog, c'était t'arrives et puis c'est une rédaction. Tu sais, c'est une rédaction, tu rentres très sérieux,
voilà, faut pas trop rire, tu vois, c'est voilà, on parle de nos quartiers, donc tu vois, je me suis dit ça. Je me suis dit, sur les gens que j'allais rencontrer, je me suis dit, il n'y aura pas beaucoup de jeunes. Parce que voilà, quand on est jeune, on n'écrit pas. Donc tu partirais ton prochain, ça serait quand? Bah en fait, c'est pas cette semaine, mais ce serait prêt. Et je vais essayer ce week-end de faire un petit tour dans le 78, parce que je dois aller dans le 78. Ouais. Et je vais essayer de faire un peu ce que j'ai fait au Minguet, c'est-à-dire d'y aller sans préparation. C'est à partir de ces témoignages-là, éventuellement de certificats médicaux, parce qu'il y en a un qui s'est vraiment fait tabasser alors qu'il est très mineur. Ouais, et de plusieurs témoignages qui se recoupent. Sans préparation, c'est pas la définition même du reportage. Non, mais c'est-à-dire sans que j'ai pris rendez-vous avec des gens. Ah oui, d'accord, ok. Bon, moi, je préfère que tu réfléchisses, parce qu'à chaque fois que je te propose des trucs, tu me mets des vents en me disant que tu peux pas après. Enfin, quand je te dis que je l'ai fait, je l'ai fait. Oui, mais au bout de combien de temps? Je te propose combien de papiers? Par mail, tu me dis à peu près quels sont tes dispos et essaye de trouver 2-3 angles ou 2-3 idées de sujets. D'accord. Qu'on puisse faire un rétro-planning. D'accord, tu m'as envoyé le mail quand? Tu m'enverras la liste des villes. Nantes, Bordeaux, Lyon. Allez, vous venez vous installer. Sarah, est-ce que tu as quelque chose pour moi, toi? Moi, je vais me remettre sur le truc, là, l'histoire compliquée, justement, avec le mec qui ouvre son salon. Ah oui, mais tu les as contactés à Noisy, bah, c'est non, ça? On nous a dit, voilà, est-ce que vous avez des sujets? On leur a dit oui, on leur a proposé des sujets. Ils nous ont laissé les écrire, alors qu'on était deux petits lycéens de seconde. Qui ont jamais écrit ou qui écrivaient peut-être des rédactions en français. Il y a une ouverture totale, c'est-à-dire que vous arrivez au Bondi Blog, même encore aujourd'hui, vous arrivez au Bondi Blog, vous êtes un jeune blogueur ou même quelqu'un qui a juste envie d'encadrer les jeunes, vous avez des idées, vous pouvez les mettre en place. Ah oui, c'est vraiment open bar. Venez comme vous êtes, en fait, c'est le McDonald's. Mais on paye pas, en fait. On mange pas et on devient pas gros. Toutes les semaines, en général, on a un blogueur qui arrive. Donc, tu vois, on l'accueille, on lui dit d'où il vient et tout ça. Tu vois, on essaie de le coacher un peu. Et puis, nous, on se prend pour des anciens parce que ça fait 4 ans qu'on est là, tu vois, alors que quelqu'un a fait ça avec nous quand on est arrivé. Entre mi-collègue, mi-ami, mi-famille, mi... tu prends le meilleur de tout ça, tu le mélanges et puis t'as le bon du blog. On a distribué pas mal de mauvais points il y a quelques mois, mais là, franchement, bravo, parce que sur le municipal, il y a une couverture qui a vraiment été bonne. Vous avez quand même fait des reportages, des portraits, de petites listes et tout ça, des gens qu'on n'a pas vus ailleurs et tout ça. On a eu 10 papiers qui ont été repris par lemonde.fr, et puis on a eu une audience du site qui a doublé. On est monté à 5000 vues par jour, donc bravo. Mais on va faire après un tour des articles pour la fin de semaine et puis organiser dimanche soir. L'idée, c'est d'envoyer les papiers assez rapidement, avant 10h. La conférence de rédac, c'est le seul, quasiment, départ. Hein. C'était le seul moment physique du Bondi Blog. Le reste du temps, c'était du téléphone, du SMS, du mail. Et en même temps, c'est aussi le seul moment de confrontation. Le mardi soir, bon, voilà, c'est notre réunion de rédaction. On ne transige pas à ça. Même, je veux dire qu'il neige, il faut vraiment qu'il se passe un truc, quoi. Grave pour qu'on ne fasse pas de réunion de rédaction. Mais ça, c'est vraiment le point de repère, le socle. Tous les mardis, il y a au moins 3 heures de réunion de rédaction avec tous les jeunes qui viennent confronter leur sujet aux autres. Et quoi d'autre avant vendredi, Sarah? Ouais, Sarah. Sur mon premier vote. C'est-à-dire que tu as voté dimanche? Ouais. C'est la première fois. Tu l'avais déjà envoyé? Ouais, je l'ai envoyé. Non, mais c'est bon, on va passer cette semaine. Tu as voté dimanche, ouais, non, mais c'est ça? Non, mais c'est bon. C'est ta première fois? Non, mais je raconte quand j'ai reçu la carte d'électeur, en fait. J'ai parlé avec des gens qui étaient avec moi à l'école et tout. Ah ouais. Et en fait, 80% des jeunes me disaient qu'ils n'avaient pas voté. Dont une copine qui est rentrée à Sciences Po aujourd'hui. À part la conférence de rédac du mardi, ils n'ont pas d'autre lieu dans leur vie où ils disent ce qu'ils ont envie de dire. À l'école, c'est plutôt enseignant-enseigné, donc on leur dit des choses, ils enregistrent. Voilà, il y a plus, ils sont pas dans des partis politiques, ils vont pas traîner dans les bistrots tard le soir. Donc en fait, on se rend compte que des moments de parole et de confrontation, même au sein même de nos familles, c'est assez rare en fait. La brèche du Bondi Blog, dès qu'on a vu qu'elle s'était ouverte, on y est allé, quoi. Enfin, le candidat UDI de Bobigny voulait parler de mettre des caméras de surveillance parce qu'il y a plein de coins de la ville où c'est très sombre. Et la maire sortante, elle est partie voir les petits dealers du quartier à côté du mien. Et elle leur a dit, les mecs, votez pas pour lui, parce que si vous votez pour lui, vous pourrez plus faire votre business. Mais implicitement, elle soutient ce qu'ils font. Calmez Jeanne, il n'y avait aucun programme. Tout ce qu'il dit, c'était, la gauche, c'est nul. C'est la drogue, c'est la délinquance, c'est la chute des résultats scolaires. Il a mis ça dans un tract. Et ça a marché. Et ça a marché, c'est payé au premier tour. Le BS, il est mort, il est KO. On est libre de choisir le sujet, on n'est pas guidé au bâton, non, on propose et nos idées sont généralement acceptées. Franchement, moi, de mémoire, sur quasiment 10 ans, on a dû refuser 2 ou 3 sujets. Au Bondi Blog, on a une vraie liberté de ton. Il n'y a aucun tabou.
On peut traiter de tout. Donc ça, c'est vraiment une force. Nous, on ne demande pas à nos jeunes d'être objectifs. On leur demande de ne pas être insultants, de ne pas diffamer, de ne pas être dans le mensonge. Mais on leur demande d'être acérés, de dire les choses, de retourner la table. Il est là un peu le bijou précieux, c'est la liberté, quoi. Il y aurait tellement de choses à dire sur la façon de passer la saison chaude dans notre coquette ville. Mais à mon avis, tout peut être dit en deux mots. Ennui mortel. Le cœur de cette ville a cessé de battre dès l'instant où le mois de juin s'est achevé. C'est en cette période caniculaire que m'est soudainement venue cette réflexion. Notre mère patrie a une sœur jumelle. De l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, les mêmes moments de spleen sont vécus à Tazmalt, le village dont sont originaires mes parents. Chaque été, j'ai l'honneur de passer quelques semaines dans mon deuxième pays. Depuis 20 ans, le popotin vissé sur un parpaing, posé devant une boutique, j'écoute mes cousins me conter ce rêve fabuleux, ce désir brûlant, synonyme pour eux de bonheur utopique. Émigrer en France. Tazmalt, Bondy, même chaleur accablante, même morosité chez les jeunes, même rêve d'exil. Les émeutes, Tazmalt et Bondy en ont connu et la racine en est toujours la même. Le ras-le-bol de la jeunesse et la volonté de changement. Maintenant, faire un blog, c'est commun pour tout le monde. Mais à l'époque, le blog, se voir publier, nous on n'était pas la génération Internet. On avait 20 ans quand Internet s'est popularisé. Mais se voir publier, c'était énorme pour nous, même dans un blog. Même le Bondy Blog, ce n'était pas ce que c'était maintenant. Mais c'était énorme pour nous tous. On adorait ça. On faisait partie, on était publiés, quoi. Ouais, c'est assez bizarre parce que moi, en fait, j'avais déjà rendu mon premier papier. Et un jour, je me connecte sur le Bondy Blog et je vois Mohamed Khan. Et j'étais vraiment fier. Je me disais, waouh. Mais je savais que c'était moi qui l'avais écrit, mais je lisais pas. Je l'ai lu toute la journée. J'avais envoyé le lien à tout le monde, je crois, après. Quand on m'avait envoyé le lien, et tout, je disais, oh, regarde, tout, lis mon article, dis-moi ce que tu en penses. Pour les premiers papiers, surtout le premier, le fait de voir son nom, Emmanuel Suisse, c'est vrai que j'ai regardé pendant un moment, je me suis dit, waouh. Ce que j'écris, c'est sur le web et c'est publié par un autre. Donc on est assez fiers et c'est génial, en fait. On jubile. Moi, personnellement, je jubilais. Je me disais, ah, ce que j'ai écrit, c'est publié. On se dit, on va écrire le deuxième encore, il va être publié, le troisième. Et du coup, je pense que c'est ce sentiment de fierté, pour ma part, qui fait que je continue à chaque fois d'écrire. Ce qui me donne envie d'écrire, c'est mon quotidien. Je m'inspire vraiment de mon quotidien, de ce que je, tu vois, de ce que je vis. Quand je prends le train, j'essaie de ne pas mettre de la musique dans mes oreilles, parce que n'importe quelle chose, ce que je peux saisir comme ça, ça peut être une source d'inspiration pour un article. Et des fois, on dit oui que les reportages les plus intéressants se font à l'autre bout du monde, etc. Ben non, pour moi, le reportage le plus intéressant que j'ai fait, c'était à deux pas de chez moi. C'est un de mes objectifs quand j'écris, justement, c'est de partager ma vision des choses, raconter ce que j'ai vu, ce que je vis. Et puis voilà, de temps en temps, je touche à la politique, mais... Tu vois, j'ai fait un article sur les femmes qui apprennent à parler français à travers les feux de l'amour. C'est des témoignages que j'ai eu avec ma mère et toutes ses copines. Je les ai convoquées, je leur ai dit, les filles, vous venez. Comment ça se fait que Victor Newman vous a appris à parler français, tu vois? Et pas le quartier ou pas, je sais pas, tu vois, à l'école et tout. Elles m'ont dit, bah, c'est comme ça. Elles allument la télé, elles regardent les épisodes et au fur et à mesure, elles comprennent de mieux en mieux, tu vois, nanana, nanana. Et elles peuvent plus s'en passer. Aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'elles regardent ça et ça fait 20 ans qu'elles ont aiguisé leur français devant Victor Newman. Je pourrais pas me passer d'écrire. C'est vital, en fait. Bizarrement, je l'avais pas avant, ce plaisir de l'écriture. Ça me saoulait d'écrire. La seule chose que j'avais écrite dans ma vie, c'était mon mémoire d'études, quoi. Mais sinon, non, je pensais en être totalement incapable. Ça fait 3 ans que j'esquive le voyage. Qu'est-ce qu'une jeune fille de 16 ans irait faire dans la campagne algérienne? Plutôt que de passer un voyage agréable à écouter de la musique et à déguster le savoureux plat industriel fourni par ma compagnie aérienne, je me pose un tas de questions. Pourquoi je suis si pressée de rentrer en France? Je suis donc plus française qu'algérienne? Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident que je sois française?
Pourquoi en France, on me demande automatiquement d'où je viens? Je suis née ici, ouais, à Nazilsec, il y a 24 ans. Mon bled, c'est l'Algérie. Mon pays, c'est la France. On y va chaque été depuis que je suis petit. Même pendant les années 90, les années de terrorisme, on n'a pas manqué une année. C'est-à-dire depuis 91 à 2000, même les années de feu, mon père, il a dit « Vous allez aller en Algérie jusqu'à ce que vous compreniez que vous êtes aussi algérien. » Quand t'es marocain, le roi du Maroc avait fait en sorte que, quoi que tu fasses, tu restes marocain. Tu vois, je me réveille pas tous les matins devant le miroir, devant la glace, en me disant « Aujourd'hui, je suis française, aujourd'hui, je suis algérienne. » Non. Bah, c'est un peu comme les Bretons. Ils ont toujours une attache dans leur... Dans leur ville, dans leur région d'origine. On a un bled, sauf que c'est pas en France, c'est en dehors de la France. Il faut traverser la Méditerranée. Mais c'est un peu le même principe de la tâche régionale. Bah, en fait, moi, c'est marrant parce que dans les quartiers où j'ai grandi, j'ai jamais été une minorité. C'était plus les Julien Dubois, les minorités, tu vois. Elle, ça l'a fait. Adubila minachitani rajim. On rigole pas sur ça, c'est dans le din, inchallah. Elle me commence un peu ces trucs de tunisienne là, tu vois. Genre, elle connaît tout. Je dis, ouais, je fais du harissa ou quoi, Orti? T'as vu que je t'appelais Julie, en train de quoi. Et lui, c'est ce qu'il fait. Attends, c'est pas terminé. C'est ce qu'il fait, lui. Et ben, il fait rien. Son mec, le marocain. Alors, déjà, son mec le marocain fait ah ouais, Nalchetan, l'islam c'est super important, on rigole pas sur ça. Je fais ouais, toi, ta mère, alors, elle a dû faire tellement de trucs que t'as, tu vois. Alors déjà, j'ai pas dit, bien sûr, j'ai pas dit. Et lui fait ça, je le vois derrière moi, j'étais comme ça. Le nif, je me suis dit, j'ai un mari avec moi qui va parler, j'ai pas besoin de parler. Il était comme ça. Tu peux parler, quoi. Il marchait derrière moi. Je prends placine. Tu m'énerves. Mais laisse parler, il dit. J'ai grandi dans ça, des cultures des autres, de leur religion, de leur mode de vie. J'ai grandi vraiment comme ça. J'ai côtoyé énormément de nationalités, on s'en rend pas compte, mais à Aulnay, j'ai pu côtoyer des personnes qui venaient d'Asie, des personnes qui venaient d'Afrique subsaharienne, des personnes qui venaient d'Afrique du Nord comme moi, des personnes qui venaient d'Europe de l'Est. Et c'est cette richesse-là qui m'a toujours impressionnée, que j'ai toujours appréciée. J'ai rencontré des gens de partout. J'ai appris des mots en gitan, alors que je savais même pas que je parlais gitan. Avec mes voisins, avec mes copines, on se sentait un peu plus que des amis. On se sentait vraiment être une famille. Les problèmes des autres peuvent devenir tes problèmes. Tu te sens impliqué, c'est l'aide. Toujours les potes derrière. C'est pour ça que je parle beaucoup des potes. Parce que on est souvent ensemble, on galère souvent ensemble, on rit souvent ensemble et parfois on pleure. Bah en gros, on partage un peu la même galère, quoi. On est des pauvres, c'est vrai. On n'est pas des gens qui ont été élevés dans des familles bourgeoises. On n'a jamais été habitués au luxe, voilà, aux choses bling bling. Moi, je suis la caricature de la fille d'immigré algérien. Mon père a travaillé à Renault à Boulogne-Billancourt jusqu'à la fermeture de l'usine. C'est ça qui nous rapproche pour la plupart des blogueurs. Quand on est choqué ou indigné, c'est souvent pour les mêmes questions. Pendant des années, en réalité, j'étais un petit Peugeot et non pas un petit arabe. Et pendant des années, d'ailleurs, mon quartier, c'était le quartier des Peugeots et des mineurs. Et d'ailleurs, on était identifiés comme étant des ouvriers en réalité et jamais des arabes ou des musulmans. Il n'y a pas de problème de banlieue, il n'y a pas de problème de rebeu, de black, et les problèmes de riches et de pauvres. J'ai commencé à devenir un arabe à part entière à la fin des années 80, quoi. Avant, j'étais un petit ouvrier. Je suis né quelque part, près d'une manufacture. Le pur hasard, ça n'existe que dans les contes de fées. Avant lui, ils étaient déjà des milliers venus nourrir la production automobile florissante des années 70. Alors mon père s'est dit que pour offrir à sa future famille une chance de s'en sortir, il fallait faire la même chose. Quitter le Maroc, comme son grand frère, et élire domicile en Sologne. En réalité, il n'a rien élu, rien choisi. Marche ou crève. 30 ans de bons et loyaux services pour le patriarche. Papa en 3-8, levé 4 heures du matin, une fois toutes les 3 semaines. Sans jamais broncher, rarement malade. Cette usine, celle de mon père, ce sera à 16 ans ma vraie première expérience professionnelle. Je me souviendrai toute ma vie de ces 2 mois d'été, passés dans le même atelier que mon père, à prendre conscience de ce que le travail à l'usine voulait dire. À comprendre enfin cet espace-temps qui était le sien, entre le moment où il quittait la maison et l'heure où il rentrait.
Papa ne parlait jamais travail à la maison. Racontait quoi? Les boulons vissés, les jantes montées? Sa réalité devenait soudainement concrète, douloureuse, violente, injuste aussi. Mon père, il est venu en France pour faire des études. Il a une maîtrise, il a un DESS. C'est pas la question de parler français qui pose problème. Il est là depuis des années. Et quand je suis partie voter, le mec qui tenait le bureau de vote, il me dit bah, « Il est où ton père ?» Je dis bah, « Il a pas le droit de vote, mon père. » Grâce à Monsieur Hollande. Après, il m'a regardé, il m'a dit « Bon. » Bondi Blog, c'est pas que une boîte de rédaction, tu sais, très objective où tu viens à 9h et tu pars à 17h. Le Bondi Blog, c'est une famille. C'est un lieu qui est à la fois très ouvert et très familial. C'est vraiment une sorte d'enclos et en même temps à la fois ouvert. Et c'est rare que les familles soient ouvertes aux étrangers. Moi, ma mère, elle m'a harcelé dimanche toute la journée, va voter. S'il vous plaît. Tu vois, comme si c'était elle, genre bah, super... C'est pas ce truc-là, mon père, là, il a voté, enfin, plusieurs années qu'il vote, et il a dit c'est fini. C'est fini la gauche. Georges Marchais. Oui, oui. Il a dit c'est fini. Je te jure, il était fan de Georges Marchais quand il pouvait pas voter. Hein. Pendant des années, c'était son héros. Au moment où il a le droit de vote, tout se barre. Mais... Ouais, toute sa vie, il voulait voter pour Georges Marchais, mais c'est fini. Là, franchement, il faut raconter ça. C'est la classe. Mon père, quand il regardait la télé, il disait « Ça, c'est un Rajel. » C'est tout ça la réflexion chez lui. Rajel, c'est l'homme. Tu vois, le mec, il est courageux. C'est un bonhomme, quoi. Voilà, il a fait la guerre d'Algérie, celui-là. Tu vois, il dit « C'était ça, les références. Tu connais Georges Marchais? Non, mais attends. Pardon. C'est ça. C'est la réincarnation de Georges Marchais. Il est On dit souvent qu'un enfant, c'est innocent. J'en étais la preuve étant petite. Je pensais que le monde dans lequel je vivais était magnifique, que la vie serait rose pour toujours, que les gens étaient doux comme du cachemire. J'ai 9 ans et pas du tout envie de quitter Alice au pays des merveilles. Puis j'ai appris et compris que ma maison se trouvait dans une zone appelée banlieue. Chez les grands, on en parle de cette banlieue. Pour moi, ce n'est qu'un coin de la France comme les autres. Plus les années passent, plus ce terme revient à mes oreilles. Un jour, au collège, mon professeur d'histoire, énervé, nous sort. Déjà que vous êtes dans un département difficile, pas besoin de vous enfoncer encore plus dans la mouise. En sortant du cours, le mot « difficile » résonne dans ma tête. Je ne comprends pas cet adjectif qui m'apparaît comme péjoratif. Je ne comprends pas davantage pourquoi on s'enfoncerait encore plus. On enfonçait dans quoi ? J'ai grandi à la Courneuve, oui, l'âge de 2 ans, j'ai passé ma vie là-bas. C'est que les bons souvenirs quand on jouait au foot à la sortie de l'école. Je pouvais rentrer tard parce que notre mère nous regardait de la cuisine, de la fenêtre de la cuisine, donc c'était... j'ai une idée de liberté. L'image que l'on a des 4000, c'est la cité, c'est la cité qui est à 10 minutes de Paris en RER, où tu peux acheter ton shit. Pour moi, c'est là où j'ai grandi, c'est les souvenirs de l'araignée où tu grimpes. Pour moi, c'est ma vie quotidienne. On rigole, on joue au foot et puis voilà, qu'on parle des meufs et tout ça, mais il n'y a rien de bien méchant. La banlieue, c'est pas le trésor. La banlieue, c'est quand tu y vis, tu vois rien d'extraordinaire. C'est beaucoup plus agréable que ce qu'on voit à la télé. D'un autre côté, c'est pas tout rose non plus. C'est-à-dire, il y a des agressions, il y a des vols de portables, il y a aussi du trafic de drogue, mais il y a pas que ça. C'est une routine, boulot, parfois métro dodo ou boulot, parfois s'amuser. Il y a aussi des gens qui habitent, il y a aussi des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont heureux. Les voisins, les amis, toutes les fêtes, les mariages. Et les daronnes qui font du couscous et ça sent dans la rue et t'as envie d'en faire un toi aussi. Tout le monde parle sur tout le monde. Tout le monde se connaît, les ragots ça circule. Ouais, c'est une sorte de village, j'aime bien ce terme parce que c'est un village, mais un village de banlieue. Il y a une explosion des couleurs, une explosion des saveurs. Bon, des fois, il y a des gens qui font la tronche, mais il y a aussi... Le soir, c'est vrai qu'on n'a pas trop de choses à faire par rapport à Paris, mais je suppose que c'est pareil en province aussi. Pour vous dire, au jour d'aujourd'hui, j'habite encore Bondy alors que je travaille sur Paris et je me tape 1 heure tous les matins sur le périph. Je m'arrache les cheveux que j'ai pas. Il y a aussi tout ça, quoi. Tout.
Si l'on veut mieux comprendre la situation qui prévaut dans les quartiers populaires, il faut savoir ceci, les gens se mélangent. Et même si l'on n'a pas envie de fréquenter tel personnage, tel groupe, on est amené à le faire. C'est comme ça. Tu verras un petit jeune sortant de la mosquée taper la discute avec le petit truand du coin. Nombreux sont ceux qui se replient vers la religion. La religion, c'est gratuit. On s'empresse de crier au loup, à l'intégrisme ou à l'insécurité, mais le véritable problème est bien plus profond que ça. C'est un mal-être ancré depuis des années qu'il faut soigner. Et contre ça, le karcher ne peut rien. Mariés depuis 5 ans, Liès et Noura forment un couple heureux. Monsieur travaille à l'aéroport de Roissy, madame est à la recherche d'un emploi, musulman très pratiquant. Pour prouver son attachement à son amour de mari, Noura a décidé de porter le niqab. Quand Liès part travailler, la copine de Noura est souvent à la maison. Le mois de jeûne a son lot d'histoires ramadanesques. La dernière en date, Camille est entendue, les dates avec lesquelles les musulmans cassent leur carême sont agréées et approuvées par Israël. Apparemment, ce n'est pas de la salade. Le plan Vigipidate est activé. Ce jour-là, Liès se rend compte qu'il a oublié son badge. Il retourne chez lui pour le récupérer. Deux niqabs jonchent le sol. Dans son lit, Noura et sa copine, qui se trouve en fait être un homme, sont en train de faire des galipettes. Pas très catholique comme pratique. Qu'importe, ils sont musulmans à leur façon. Comment on raconte la banlieue ? Pour moi, on raconte comme le reste. On raconte l'histoire. On raconte surtout ce qu'on voit. Donc, si on voit de la merde, on dit, voilà, il y avait de la merde. Si on voit des tours qui tombent, des appartements dégueulasses, des halls d'immeubles qui sentent la pisse et tout ça, voilà, on le raconte. Dans les médias, sur un sujet, on va oublier le plus évident. Pour traiter, d'un fait de société, on va aller chercher 4 sociologues, 3... 3 mecs en log qui ont fait une vague étude il y a 10 ans sur le sujet. Et on va oublier juste, il y a des vrais gens que ça concerne. Quand on a un reportage sur les banlieues, c'est toujours les mêmes titres. Dealer, drogue du coup, insécurité, et des gens désassistés un peu, c'est-à-dire ceux qui profitent du système, ou des petites magouilles. C'est une réalité, mais c'est pas toute la réalité. Et donc... Le métier du journaliste, c'est aussi de parler de la réalité dans toutes ses facettes, tu vois. La télé, c'est une arme et qui peut être dangereuse lorsqu'elle est pointée contre une certaine population parce qu'elle habite un certain quartier ou parce que c'est confortable de se dire que ceux qui sont de cette origine ou de cette couleur ou de cette religion, ils sont forcément comme ça ou que cette jeunesse-là, elle est forcément violente, enragée, dangereuse. Toujours des dealers, des voleurs, des braqueurs. D'où ça vient ? Je saurais pas te dire d'où ça vient. Je pense que le vrai problème, c'est que les journalistes, pour la plupart, viennent du même milieu. Bien sûr, je comprends. Mais aujourd'hui, concrètement, le réel problème, c'est quoi ? C'est la réindustrialisation du site qui peine à arriver ? C'est quoi ? C'est la grosse perte financière pour la ville ? Vous, de votre point de vue ? C'est ça. Mais là, c'est un projet. Prof, non. Ah, là, c'est comme jeu. C'est prof, non. Qu'est-ce qui te passionne ? L'actu, enfin le... Bah alors, journaliste. La réalité. C'est l'actualité, fait des journalistes. J'ai vu un DUT Infocom à Descartes. Genre super bien réputé. C'est un DUT. D'accord. Mais après, le truc, c'est que ça te fait 2 ans. Et après, tu fais une troisième année en licence pro ou en L3. Et après, avec une L3, tu peux même continuer en master. Ouais. Mais en même temps, vu que t'es en alternance, t'es inséré dans... Sinon, tu vas avoir une conseillère d'orientation et tu fais tout le contraire que... Bah là les excuses des rédacs, c'est tu vois t'es pas assez vieille, t'as pas assez voyagé, t'as pas... Bah ouais mais gars j'ai 24 ans, je suis en l'école, tu veux quoi? Enfin tu t'attends 10 ans de voyage... Charlotte c'est pas propre au journalisme. Non mais c'est vrai. On fait ce qu'on peut. C'est vrai c'est pas facile. Non, j'ai lu un article dans le Monde hier ou avant-hier sur l'optimisme de la jeunesse de France. Être pris en entretien, c'est avoir le droit d'avoir des pensées positives temporaires sur notre prochaine situation. Éteignez votre portable. La sonnerie du prince de Bel-Air en entretien d'embauche, c'est délicat. La peur de mal parler, de dire « ils ont » au lieu de « ils ont »,
De dire « eux » à tous les bouts de phrase est tout à fait normal. Il faut regarder son vis-à-vis dans les yeux, être attentif, rigoler s'il fait une petite blague ou un petit jeu de mots. Vous allez peut-être déchanter quand votre interlocuteur va se dévoiler par l'intermédiaire de certaines questions foireuses. Pourquoi avez-vous si peu d'expérience pour beaucoup de diplômes? Ça ne vous dérange pas de travailler dans une équipe composée uniquement de femmes? Vous êtes de quelle origine à la base? Nous, on a réussi à s'en sortir tant bien que mal, en ayant de la chance, en rencontrant les bonnes personnes, en se faisant aider. Tu vois, on a réussi à avoir des boulots qui tiennent la route, à monter des projets. Mais voilà, on est des exceptions malgré tout. Moi, dans ma bande de potes, des potes de ma cité, on n'est pas tant que ça à être aujourd'hui content de ce qu'on fait. Moi, ce qui m'intéresse, quand en tout cas j'essaie de mener des actions, que ce soit associative ou que ce soit éducative vers des gens, c'est toucher les couches populaires, des gens qui galèrent en fait. Et c'est pas du tout du sectarisme ou de la victimisation, mais je le vois, quoi, tu vois. L'histoire du réseau, c'est très important. Je suis née dans un quartier où j'aurais jamais dû avoir du réseau. C'est un tremplin, en fait, le Mondiblog. Moi, j'ai fait plein de rencontres grâce au Mondiblog, des rencontres professionnelles, tu vois, qui m'ont permis de faire des stages ici et là, des stages que j'aurais jamais pu faire avant, puisque mon père est chauffeur-livreur, ma mère est mère au foyer. Alors, on va d'abord, comme on fait habituellement, recevoir un invité, c'est Samira, que vous connaissez, Samira Djouadi, qui est donc la responsable de la fondation TF1. Et donc, la fondation lance son appel à candidature. Beaucoup de blogueurs, aujourd'hui, sont à TF1. Donc voilà, Samira, tu présentes, voilà. Alors, bonjour, je suis très ravie, en tout cas, pour ceux que je ne connais pas... C'est toujours pareil, vous lancez un projet, puis les gens viennent, voilà, et les gens le critiquent, l'améliorent, l'amendent. On discute avec vous, vous pousse. Et donc, du coup, on se rend compte qu'on a des gamins qui ont un vrai potentiel, qui ont une vraie qualité, et qui se révèlent, et qui, un jour, vous disent « Mais moi, j'aurais bien aimé être journaliste, mais j'ai toujours eu une trouille bleue de ça, et de toute façon, j'en ai pas les moyens, et ainsi de suite. » Tous les enfants d'immigrés que j'ai connus qui ont fait des études assez poussées, on a tous eu l'anecdote du prof à un moment qui te dit « Bon, ben, toi, faut que t'ailles en BEP. » Le cliché, quoi. BEP électrotechnique ou BEP mécanique ou je sais pas quoi. Fais un BEP secrétariat, t'auras un diplôme rapidement à un travail. J'ai dit « Non, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je déteste tout ce qui est mécanique et... Enfin, je suis pas du tout manuel. » Tu dis « Ben non, moi, j'ai envie de faire des longues études. » Donc elle m'a dit « Ah, mais la générale... C'est dur, faut avoir les bagages et tout. » Tu n'auras pas les moyens de faire ces études, c'est trop prestigieux pour toi. Qui vous dit que j'aurais pas les bagages? Donc on est qu'en quatrième là. Tu vis dans une cité, t'es noir, t'as un nom de noir, ta mère elle a 18 enfants. Tu n'y arriveras pas, c'est mort. Tu réussiras à rien, ça c'est pas la peine. Pour elle c'est une utopie. Abandonne. En troisième, tout se concrétise. Rendez-vous avec la conseillère d'orientation. Quelle belle rencontre avec la réalité. Elle commence à me poser quelques questions banales, comme ton nom, ton prénom, ta classe, ton âge. Puis, nous entrons dans le vif du sujet. Que comptes-tu faire de ta vie professionnelle? À la fois déterminée et hésitante, je me lance et réponds, journaliste. Et là, le cauchemar démarre. Non mais vraiment? Vraiment, je veux devenir journaliste. Et là, elle rigole. Excuse-moi, ton ambition fait rire. Le bon du blog, ça corrige une partie de ça. Ça permet à des gamins qui veulent devenir journalistes et qui n'ont pas forcément les bonnes connexions, les bons réseaux, de se dire « Tiens, je vais venir au Mondiblog, parce que grâce au Mondiblog, je vais pouvoir rencontrer des journalistes qui vont être des modèles intéressants et que je vais avoir envie de suivre. » quoi. Allez, au boulot. Fondateur du MSI, parti fondé sur les ruines du fascisme. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Almirante a été jusqu'au bout aux côtés de Mussolini. Éric Châtillon a développé une branche syrienne de son agence de communication. C'est cet endroit qui a réussi à me dire bah « Non, mais c'est possible », qui m'a un peu décomplexé, oui, parce que il y a de ça quand même. On se dit bah « Non, c'est pas pour nous, quoi, c'est pour une élite ». Karim Rissouli, je suis journaliste pour le Grand Journal Plus. J'ai fait une fac de droit. J'ai validé une licence. Ensuite, je suis rentré en école de journalisme à Paris, le CELSA, même que Mathias, mais quelques années plus tard. C'est le premier endroit où on a rencontré des gens. J'ai travaillé
travaillé 7 ans à France 2. Des vrais gens qui faisaient vraiment ce métier. Envoyé spécial. Et c'est ça qui nous a aimanté en fin de compte. Au blog, c'est l'expérience des autres. Il y avait tous ces journalistes qui venaient nous voir et qui nous disaient, franchement, si vous avez besoin d'un coup de main, dites-nous. Donc on a commencé à monter cette école du blog le samedi matin, vraiment de manière informelle. On a demandé à la mairie de nous filer un local, en fait, ce qui est le sous-sol de la bibliothèque, qu'on a utilisé pendant plusieurs années et qu'on nous filait tous les samedis matins et où on faisait venir des journalistes sympathisants qui faisaient des cours. Et les groupuscules d'extrême droite, c'est un peu comme les think tanks pour les autres partis. C'est des gens qui pèsent pas en termes d'électeurs, mais par contre, sur les idées, ils sont puissants. Et ça l'a dérangé, Marine Le Pen, qu'on parle de Châtillon dans le film. Moi, je me pose la question, par exemple, Marine Le Pen, on sent qu'elle dit pas les choses, elle dit à demi-mot. Est-ce qu'il fallait la coincer sur un interview pour faire une contradiction ou je sais pas, par... Moi, j'aurais voulu, je sais pas, pas moi, il est bien votre reportage. Moi, je suis convaincu. Moi, le reportage, mais je me mets à la place d'une personne. Il est bien, il est pas bien, c'est pas le problème. Je me mets à la place d'une personne qui est pas convaincue. Toi, tu trouves qu'il est à charge ? Tout au long, on le sent. Il fallait aussi aller un peu plus loin, il fallait aussi que nos jeunes puissent aussi avoir un diplôme, quoi. Et nous, on n'est pas en mesure de leur donner, donc la seule manière d'avoir un diplôme, c'est de s'allier à une école. Et c'est là qu'on a commencé à monter cette prépa. Prépa, donc égalité des chances. Avec l'expertise, le savoir-faire de la plus grande école de journalisme de ce pays, donc le EJ Lille, on a mis ce programme en place dès la première année, donc en 2009. Sur les 20 jeunes que nous avions recrutés, 13 ou 14 ont réussi les concours, ce qui était quand même déjà un exploit. Et sachant que sur les 13 ou 14, la plupart étaient dans les 10 premiers de chaque concours. À sa petite échelle, le Bounty Blog permet d'imposer l'idée que voilà, le journaliste n'est pas qu'un homme blanc qui a fait Sciences Po et ça peut être quelqu'un d'autre. Et je pense que ça, c'est le combat aussi. C'est le combat peut-être principal du Bounty Blog, montrer que voilà, nous aussi, on a notre place. Quoi. À Strasbourg, de 10 à 11 degrés à Paris. Attention, trop pub. De 12. C'était Joël Collado dans le journal d'Hélène Philly et dans un instant, Pascal Clark. On avait 17 ans, on était en terminale. En juin, on reçoit un SMS. Salut Mehdi et Badrou, est-ce que vous voulez faire une chronique dans mon émission avec moi, avec ou sans bac ? Épisode 2, chaque mercredi avec le Bondy Blog, le tour de France des villages. Salut Mehdi. Bonjour Pascal. Oui, c'est à nous, Mehdi, ça va bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Badrou. Voilà, on s'est retrouvés à France Inter. Un univers qui, voilà, honnêtement, c'est pas un univers où certains pouvaient nous attendre. Parce que France Inter, c'est un peu la radio des profs, la radio des cultureux, la radio des intellos, la radio des... voilà, la moyenne d'âge de ceux qui écoutent France Inter, c'est la cinquantaine, quoi. Mais... C'était très marrant pour nous de nous retrouver là-dedans. Bon, super. Vous êtes allé au front ce matin. Brachet, 58 habitants en Haute-Marne. À votre vie. Le tour de France des villages. Mehdi et Badrou à Brachet. Épisode 2, aire de campagne. J'arrive à 264 km. C'est entre Saint-Dizier et Joinville. Il y a la Marne. Il y a des champs et des vallées. Il y a des vaches qui mâchent. Il y a 58 habitants. J'écoute chaque pas. Chaque moteur. Chaque aboiement. Chaque bruit a son importance. Chaque silence surtout. Les villageois préfèrent répondre aux questions sans rien dire. Depuis que Marine est venue faire sa belle des champs... L'émission de télé, c'est le deuxième souffle, en fait, du Bondy Blog. Le concept, c'est un politique face à trois blogueurs issus de la banlieue sur des problèmes que rencontre la banlieue. D'avoir cette tribune ou cette émission en télévision, c'est inattendu, c'est inespéré, c'est une chance. Ce qui peut être intéressant dans les municipales, c'est que la jeunesse de Meaux, pour une grande partie, ne s'en sent pas représentée par un ténor comme ça de la politique. Le Bondy Blog a pris, avec le Bondy Blog Café, une visibilité médiatique qu'elle n'avait jamais eue jusqu'alors.
Oui, c'est juste pour écouter ce qui va se dérober. S'il vous plaît, on peut vous asseoir, s'il vous plaît. L'émission va bientôt commencer. C'est bon pour vous. Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. La télé, c'est très important pour toucher des gens qui n'iront pas sur internet Bondy. Taper Bondy Blog et tout ça. Blog Café. Bondy Blog Café. Jean-François Copé, bonsoir. Bonjour. Merci d'être venu à Bondy. Ah bah, c'est un plaisir. Donc, c'est avant de vous présenter les jeunes du Bondy Blog, je vous propose d'abord d'aller boire un petit coup. Et puis après, plaisir. On abordera tous les sujets donc, de cette émission. Avant de commencer, je vous propose d'abord de commander quelque chose. Eh oui, ça voilà. Va, je bois un coup. C'est Nadège. Bonsoir Nadège. Bonjour Nadège. Alors moi, je voudrais un café, je ne sais pas ce que et moi, je veux bien un Coca Zéro. Laissons merci. Parler notre invité. Il faut l'interrompre si ça vous semble important. Lui redemander de préciser, enfin voilà, le truc classique et tout ça. On a affaire à quelqu'un qui est une machine intellectuelle, donc il va dire des choses, pour pas que vous soyez paumés. L'idéal serait que chacun ait au moins une question ou une relance. Et puis après, on attaque la question d'actu. Jean-François Copé, est-ce que vous faites partie des 62% de sympathisants UMP qui veulent Nicolas Sarkozy en 2017 ? Ou bien vous faites partie des 5% qui veulent Jean-François Copé en 2017? Là, vous êtes cruel, parce que moi, je me mets quand même dans les 5%, je vous assure, même si je suis... Il faut quelqu'un. Il faut bien quelqu'un, donc je me suis dévoué quand même. C'est presque une revanche, en fait, cette émission. C'est enfin, des jeunes du Bondy Blog arrivent à faire venir des ministres... dans une position d'égal à égal, on joue pas à l'extérieur, quoi. Est-ce que vous êtes fier d'être la collègue de Manuel Valls? La question se pose pas comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur sa politique sur les Roms? Enfin, posez pas des questions où vous connaissez des réponses non plus. Est-ce que vous avez une définition au mot civilisation? Pour vous, quelles sont les valeurs qui font l'identité française? Vous allez faire une proposition sur la laïcité? Est-ce que selon vous, Claude Guéant a fait une erreur? Oui. C'est important de mettre des visages. Pour moi, c'est très important de mettre des visages. C'est important de montrer qui on est, de montrer qui sont ces personnes-là qui habitent les quartiers populaires. J'en avais marre de voir des Noirs et des Arabes clowns. D'accord, on peut faire rire, c'est sympa. On peut faire des Jamel Debbouze, des cuisiniers, des machins, des trucs, ok. Mais on a aussi des gens sérieux, on a des gens qui ont des choses à dire. Et un rapport de la Cour des comptes a montré qu'il y a une différence entre ce que l'État dépense pour un élève parisien et un élève de banlieue ou de province. La différence peut être de 51%. Comment une injustice pareille a pu exister pendant tant d'années? Attendez, laissez-moi juste finir cette idée. J'ai même pas pu la finir. Qu'est-ce que c'est l'idée de dire on fait confiance aux gens? Ça veut dire qu'on vous dégage la voie. Je vais supprimer les contrôles. Je vais baisser les charges. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en 10 ans? Non, mais c'est déjà une autre question, ça. Oui, mais c'est une vraie question que je me pose. Ça, c'est une question... C'est limite urgent, Jean-François Copé. Non, mais je veux bien... Enfin, urgent, attendez, si, ça va. C'est urgent, on fait ça 10 ans. Non, mais 10 ans, c'est bon. C'est beaucoup. Non, mais écoutez-moi. Vous ressentez l'urgence, là? Oui, j'ai 10 ans, un peu plus. Non, c'est bien, là, je peux pas, là. Non, mais c'est bien. En plus, vous le jouez bien. Non, mais je joue pas. Tant qu'on se marre, ça va. Tant qu'on a envie de participer à ce qui se passe avec nos propres outils, que ce soit l'écrit, la radio, la télévision, c'est que tout va bien pour nous. Je ne sais pas si ça sert. Peut-être que ça ne sert à rien. Peut-être qu'on fait ça pour rien. Mais on dit des choses qui sont cachées parfois. Dans le spectacle, dans la mise en forme, qui peut paraître drôle, etc. Mais on dit des choses. Nous, on a besoin du Bondy Blog pour qu'on nous entende aussi. Je sais que j'ai ce canal-là pour raconter des choses si j'en ai besoin ou si les autres en ont besoin. Tu vois, si ils peuvent l'écrire eux-mêmes, je leur dis venez au Bondy Blog. Si ils peuvent pas écrire, parce que tu vois, des fois, j'interview des mamans qui maîtrisent pas très bien le français, elles viendront jamais au Bondy Blog. Mais moi, je leur pose des questions pour essayer de transmettre au maximum ce qu'elles veulent dire, mais qu'elles peuvent pas dire. Et le Bondy Blog, c'est ça. C'est explorer son territoire, explorer voilà où on habite, raconter son quotidien et tout ça, et raconter le quotidien des autres. On se dit qu'on est acteur de notre vie. On ne va pas la laisser raconter par un autre, on la raconte nous-mêmes. Moi, je pense que la vraie réussite du Bondy Blog, c'est qu'aujourd'hui, il y a peut-être, je sais pas, 25 jeunes qui sont dans des rédacs nationales et qui nous représentent. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on a deux jeunes à France Inter, qu'on a trois jeunes à Canal,
qu'on a un jeune à Téléfoot, qu'on a un jeune qui fait les piges sur M6, qu'on a des jeunes qui se retrouvent dans de la presse, au Monde ou à Libé. Je me dis que ces jeunes-là, j'espère qu'ils s'en souviennent. Alors forcément, on ne les voit pas beaucoup en ce moment parce qu'ils sont à fond, mais ce n'est pas très grave. Ils reviennent nous voir, on est en contact avec eux, et un jour, ils reviendront. Antoine, service.